du mal à changer de vitesse. Le man qui a toujours l'avantage maintenant. 2-3 longueurs d'avance sur Olsen et puis Chinese Whisper qui se rapproche tout à l'extérieur avec le man à 200 mètres du poteau. Quel avantage. Le man qui a toujours l'avantage. Olsen qui refait un petit peu de terrain avec Chinese Whisper. Le man qui va s'imposer de bout en bout. Chinese Whisper qui sera deuxième. La troisième place pour Olsen. À voir de au moins avec Chinese Whisper pour la deuxième.